Okay. 4000 euros le mois et aujourd'hui je suis à 659 €. Moi je recommande le pro à 200%. J'aurais dû le prendre dès que j'en ai eu connaissance. Tout seul je pense que là je serais encore en train de galérer. En fait pour être partout où on veut, d'avoir des horaires d'un patron. Donc je dois faire 1 400 € à titre personnel. Okay. Ouais. J'ai gagné 20 points, 20%. Ah ouais, carrément. Ouais. Le fait de ne pas faire rêver les gens, mais 100 €, 200 € aujourd'hui, mais c'est royal. T'es sérieux? Faire un casino, laisse tomber. On va un petit peu parler de toi, et puis un peu comprendre comment tu as démarré, ton expérience en trading actuellement, tes petits résultats. Est-ce que tu peux te présenter Moi je m'appelle Nadir Jana. Je m'appelle Théo, j'ai 21 ans, je suis de Bretagne. Okay. Et je suis pêcheur actuellement là encore. Donc, à la base je suis dans la biologie. Ok. Je suis dans la biologie. Alors moi c'est Léo. Je viens de Lorraine, et puis je suis dans Impact Trading depuis octobre 2023. Parfait, bon, moi je suis cadre commercial, donc envie de changer de métier, envie de changer, travailler autant, mais plus dans le virtuel par exemple. Okay. Trading, ok, ok. Et donc là, t'es rentable depuis combien de temps là ? Moi je suis rentable depuis fin novembre, on va dire. Fin novembre, ok. Et t'es quelqu'un en moyenne à peu près ? Tu arrives à faire combien par mois à peu près ? Une moyenne, hein, attention. Alors, je te demande pas la virgule près. À titre personnel, je fais, je trade 14 jours en moyenne. Donc je dois faire 1 400 € à titre personnel. Okay, okay. En moyenne sur le pro, sur la prod firme à 50 000 je sors 8 à 12%. Moi je me fixe 1% par jour. Voilà, ah, c'est ce que... ouais. Premier objectif à 0,50, deuxième objectif à 1. Ouais, comme moi, pareil, j'ai un peu la même stratégie tous les jours. Voilà, donc globalement, j'en vis pas parce que j'ai un salaire confortable du fait de mon vrai job, ouais, okay. Mais il y a une réflexion d'ici quelques années. T'as des résultats stables ou pas ? Des fois, je finis souvent mes semaines à break-even, mais après, en fait, là, c'est pour ça qu'aussi j'ai arrêté avec mon taf, parce qu'en fait, je peux pas me concentrer à fond. Ouais, t'arrives pas à... Moi, je suis plus quelqu'un qui... J'aime bien le scalping, okay. L'OPR, et c'est vrai que quand je suis au taf, quand je suis au chantier, et du coup, je pouvais pas être sur les graphiques. Donc, en propre firme, 50K chez FaceMyFoom, du coup, okay, je suis okay. À 4 000 € le mois, et aujourd'hui, je suis à 659 €. Tes résultats, ils sont comment actuellement ? T'es break-even, t'es en gain, t'es en perte, t'es comment ? Je suis entré le break-even et le gain, tu vois. Okay. Là, aujourd'hui, j'ai fait 80 €. Voilà, avant de démarrer le trading, est-ce que tu pensais pouvoir faire des résultats comme ça, ou tu t'es dit, bon, c'est un peu du fake, le trading ça marche pas, c'est du blabla, du... Alors, blabla. Au début, on voit souvent sur Instagram des sommes à 5, 6 chiffres, les traders à Dubaï. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a fait rejoindre Impact Trading, ton groupe, c'est le fait de ne pas faire rêver les gens à dire, ouais, je vais vous faire gagner 1 million. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, et mais vraiment c'est sûr. Garder les pieds sur terre, en fait, et ramener à la réalité de se dire, voilà. Je fais 50 € aujourd'hui, c'est bien. Et tu rigoles, c'est bien, bien, c'est très bien. Ouais, je fais 100 €, 200 € aujourd'hui, mais c'est royal. Et c'est ça qui est bien, t'es connecté avec la réalité, tu sais très bien, 80, même 100 € par jour, il faut taffer pour les faire, on le sait. En France, à 8 € de l'heure, t'as intérêt d'en faire des heures pour gagner ça, tu vois. On se remet facilement. Et au niveau de ta famille, ça s'est passé comment ? Ils m'ont rien dit, parce qu'ils savent que quand je fais quelque chose, je me suis toujours renseigné derrière, donc quand je le fais sérieusement tout ça, mais c'est vrai qu'ils ont... petite graine de peur quand même avec toutes les arnaques, tout ce qui passe à la télé, tout ça. Ouais, c'est de la bienveillance un petit peu, quoi. Après, il n'y en a pas beaucoup qui savent ce que je fais. D'accord, ouais, t'es discret là-dessus. Ouais, parce qu'aujourd'hui, tu sais, le trading, c'est... Ah, fais attention, tu vas perdre ton argent, machin. Oui, je comprends. Moi, j'avance, je sais où je vais, je sais que je suis bien accompagné, j'ai confiance en ce que je fais. J'ai pas besoin de me plier pour l'instant sur tous les toits, tu vois. Demain où je suis rentable, je pourrais dire, bah écoute, regarde, là maintenant, j'ai les capacités de t'élever toi aussi. Bah, bien sûr. Tu suis, ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que les 2 mois, ça t'a vraiment transformé, on va dire, au niveau de ton mindset et tout, un petit peu ? Bah, on va dire que oui, d'un côté, je suis resté que 2 mois, mais les 2 mois m'ont bien aidé. C'est pour ça que je me suis un peu, voilà, laissé. Je suis resté dans le groupe pro. Ok. Et que j'ai arrêté l'accompagnement. Bah, après, il faut toujours de l'expérience en plus. C'est un peu... Donc, tu continues de te former un peu à côté. Voilà. Ouais, c'est ça, t'as fait l'accompagnement et derrière et tu continues tout seul. C'est dur, mais après je fais moi-même à backtester ou en regardant les analyses du groupe, en analysant mes erreurs et tout ça. Ok, ok, ouais, c'est important, tu te remets en question un peu. Tout le temps. Et combien de temps tu penses qu'il te faudra encore pour réussir vraiment à être libre et à être rentable? Tu penses encore combien de temps? Honnêtement, estimation, tu vois. Je sais pas, tu vois, parce qu'au début, je voulais beaucoup me précipiter, me dire, voilà, dans 3-4 mois, j'aimerais, voilà, quitter mon travail. Voilà, comme je te disais, t'as vu, j'hésite à quitter mon travail, tout ça.
Et en fait, au final, je me suis rendu compte, bah, ça viendra quand ça viendra, comme tu as pu le dire tout à l'heure. On prend le temps qu'il faut et puis ouais, ça vient quand ça vient. Au final, ça va juste faire que tu vas faire des erreurs, tu vas te remettre en question, tu vas perdre ta confiance, tu vas cracher des comptes. Aujourd'hui, j'essaie de prendre le temps. Maintenant, t'es vacciné, comme on dit. Voilà, de me fixer les objectifs par jour. Une fois que tu as fait tes objectifs, plus tard, j'ai envie de, si je vis de ça, de faire mes analyses à moi, d'arriver à de comprendre. Donc, ouais, ça c'est un peu à l'argent, mais en soi, c'est pas ça. C'est ouais, le fait de pouvoir être partout où on veut, pas d'avoir des horaires d'un patron. Le but, c'est d'être rentable et de pouvoir en vivre. Déjà, ça serait c'est l'objectif premier. Là. Mon objectif à moi, c'est de pouvoir avoir un tapis boursier suffisamment épais pour combler ma maigre retraite qu'on va tous avoir parce que ça va se péter la gueule dans quelques années. Et pouvoir avoir une retraite qui va me rapporter 4 ou 5 000 euros par mois. Donc si tu veux, si tu bases ça sur 5%, ça veut dire que ça te fait un 700 ou 800 000 euros c'est ça, de placement. Pour être tranquille. Par rapport à l'accompagnement, tu le recommandes, tu le recommandes pas, tu l'as vu comment un peu toi personnellement? Ah ouais, je recommande vraiment. C'est pas vraiment le conseil que je conseillerais, c'est, on voit ça un peu partout sur YouTube, mais c'est vrai, c'est vraiment de se former au début. Parce qu'on essaye soi-même en regardant 2-3 vidéos sur YouTube et quand on met son argent, ça fait mal, donc se faire former. La psychologie n'est pas la même, c'est sûr. Ah, moi, franchement, je le recommande à 1000%. En fait, la connaissance qu'on arrive à acquérir, franchement, on l'acquérit vraiment rapidement. Tout seul, je pense que là, je suis encore en train de galérer. Avec les modules, tu apprends la base et après, avec toi, ce que tu envoies dans les bulles, ça nous guide et au fur et à mesure, tu comprends en fait ce que tu fais. Parce que c'est ça le plus important. Je le recommande à 100% parce que déjà la partie formation elle est obligatoire. Tu peux pas réussir de toi-même en regardant juste des vidéos sur YouTube ou alors d'avoir quelqu'un autour de toi qui est capable de t'accompagner. Le groupe pro, ça m'a amélioré dans la confiance, dans le choix de se positionner. Voilà, je me positionne, je fais mon objectif et ensuite je regarde un peu les autres, je lis le chat. Et t'aides un peu aussi toi dans le chat, ouais, je te vois régulièrement, souvent. Régulièrement, je donne un peu des informations, puis là on a pris deux trois tuyaux et voilà, c'est ça, c'est une vraie communauté, c'est ce que je voulais, avec des gens qui ont un peu la même problématique, le mindset c'est génial. Le groupe pro, tu penses avec ou sans, tu dis la vérité, t'aurais réussi tout pareil ou est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes d'être dans une communauté, d'avoir un peu un suivi comme ça? Je recommande à 200%. J'aurais dû le prendre quand j'ai commencé à prendre tes lives. J'aurais dû saisir parce que ça a fondamentalement changé déjà mon win rate. Ouais. J'ai gagné 20 points, 20% win rate. Carrément, Et je le recommande à 200% à toute personne qui veut faire du trading quelque chose de sérieux. C'est sérieux. Faire du casino, laisse tomber. Le fait d'avoir vraiment des suivis toute la semaine, des gens qui sont à fond là-dedans aussi. Franchement, sur YouTube, je me serais perdu avec plein de stratégies. J'aurais mélangé. Enfin, je pense que franchement, j'aurais mélangé trop de trucs. Ou alors peut-être que j'aurais été rentable au bout d'un moment, mais peut-être pas le même nombre d'années passées. Quoi. Alors, Donc si tu devais le recommander, le groupe, tu le recommanderais ou pas? Non, faut tenter de toute façon. Moi, ce que je disais la dernière fois à quelqu'un, c'est que dans un pari trading, ce qui est bien, c'est que tu peux parler à tout le monde. Il y a une communauté vraiment qui est soudée, quoi, en fait. Genre, c'est quand t'es pas bien, etc., quand t'as perdu un compte. Ouais, t'as du réconfort. Ouais, c'est ça. Et ça t'évite, je pense, de faire des merdes que tu ferais tout seul, quoi. Et ça fait combien de temps un peu que t'es dans le trading, dans le groupe pro et tout ça? Un an et demi. Hein. Ça fait combien de temps que t'es dans l'accompagnement, là? Dans l'accompagnement, j'ai été 2 mois. T'es découvert en octobre. Ok. Voilà. Et puis ensuite, j'ai commencé à être rentable à partir du mois de novembre. Et donc, en janvier, je suis rentré dans le groupe pro parce que j'avais vraiment besoin de trader dans un groupe. J'ai cherché un peu quelques vidéos sur YouTube, je suis tombé sur les tiennes et puis à force de te voir en live, regarder tes vidéos, tout ça, de voir que j'y arrivais pas forcément par moi-même, j'ai décidé de rejoindre ton accompagnement en décembre, un mois, et puis après j'ai continué à rester dans le Discord, à suivre tes lives. Et tu sens que les 1 mois, ça t'a... Bien sûr. On va dire que ça t'a apporté un déclic, ça t'a apporté pas mal de conseils, on va dire, en 1 mois. T'as réussi ça te permet d'être accompagné. Moi, j'ai pas forcément beaucoup de monde autour de moi qui sont dans le trading. Dans le domaine, tu vois, moi, ça m'a vraiment apporté du soutien, de l'expertise. Ouais, t'as senti que t'avais besoin de ça pour démarrer. Et même encore aujourd'hui, là, je suis capable de faire des très bonnes perfs. Et puis le lendemain, tu t'écroules complètement, comme j'ai pu t'envoyer des fois un message. Et qu'est-ce que tu aurais à dire pour les personnes qui veulent se lancer en trading, tu vois, un dernier mot un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aux personnes qui vont regarder et qui vont se dire, est-ce que je dois me lancer dans le trading? Essayez, testez et faites votre expérience. De toute façon, ça coûte rien, surtout si vous êtes jeune comme moi, t'as rien à ça faire. Vous coûte rien de tenter et dans tous les cas, ça peut être bénéfique. Hein.
Franchement, moi, déjà, ouais, ça va être assez court, mais c'est juste pas tenter, quoi. C'est... De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Donc, moi, je me suis lancé. Au pire des cas, j'aurais perdu, je sais pas, 200 balles, grand max. Et j'aurais tenté, j'aurais bien vu. Et franchement, ça fait 2 ans que j'y suis. Et moi-même, quand je serai rentable, je pense que je resterai dans l'impact. Moi, je recommande le démarrer. Pro à 200%. J'aurais dû le prendre dès que j'en ai eu connaissance. Deuxième point, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur soi-même. Ouais. On n'attaque pas le trading à la Wall Gate. Une vidéo, on ne devient pas trader, on ne devient pas charpentier, on ne devient quoi que ce soit avec une vidéo YouTube. Il faut rentrer dans une école. Et aujourd'hui, et si j'avais le recul que j'ai aujourd'hui, j'aurais pris et le groupe pro et l'accompagnement. Ça vaut vraiment le coup et je le recommande. Là, j'essaye justement de faire des personnes sérieuses se poser des questions parce que je pense que c'est la meilleure solution pour commencer très bien. Bah oui. Souvent, on essaye de gagner l'argent avant de comprendre ce qui se passe sur les marchés. Bah oui. Alors que c'est le contraire, justement, et c'est ce que tu dis. C'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre d'abord, essayer de pas forcément vouloir gagner d'argent au début, ouais. Mais comprendre les marchés. Puis après, l'argent, ça vient, je pense, avec, ouais, c'est ça, en fait, avec, ça va venir avec l'expérience. Ouais. Maintenant que tu as vu tous les témoignages concernant voilà, le groupe pro, le groupe accompagnement, je suis sûr que tu as envie de nous rejoindre, bah, ça va être simple. Tu vas aller dans la bio, juste ici. Tu vas rejoindre le Telegram, il est public, il est gratuit et tu vas pouvoir assister à tous mes lives, tous mes cours privés et tous les meilleurs conseils exclusifs. Donc let's go, tu rejoins le Telegram, il est gratuit et il est pour tous les niveaux.